With still no answers on whether they'll be able to reopen their doors for the festive season, restaurants across France are waiting on tenterhooks. Ben voilà, donc aujourd'hui, on en est là. Far away from the kitchen and up to his eyes in paperwork, restaurant owner Julien Gilbert wants clarity from the French government. Il nous faut une date. Aujourd'hui, on est dans le flou total. On embauche des saisonniers, des CDD, c'est plein de contrats pour toute la période de fête. Là, aujourd'hui, on ne les embauche pas, c'est des embauches qui ne se font pas, on ne sait pas trop, on le fait, on les embauche quand même, on verra bien. Pff. Ouais, non, c'est très compliqué. This union representative fears an economic disaster if establishments aren't allowed to reopen before the end of winter. On ne sait pas où on va du tout. Un restaurant, ce n'est pas une structure qui peut travailler que 6 mois par an. Ça ne suffit pas. Donc les crédits courent toute l'année. Hein, le bail court toute l'année, les loyers, les taxes foncières, les emprunts. With no clarity in sight, this restaurant has decided to start doing takeaways. With a reduced menu and 3 employees on furlough, it's the only way to avoid going under. C'est très flou, ouais. c'est ce qui est dommage, c'est ce qui est regrettable. Donc on préfère se préparer au pire. On table sur une reprise 2021, février. On ne sait pas si ce sera le début ou la fin, mais on préfère partir sur cette idée-là. Restaurants are now waiting nervously for government announcements regarding the national lockdown next week.